dark side. I wanna be your left hand man. Matin. Je viens de faire des œufs aux enfants. Amanda, avec un avocat, elle adore ça. Maverick vient d'échapper tout ça par terre. J'ai donné un rapport, fait que je vais manger ça après. Là, je vais ranger l'autre moitié d'avocat, puis je vais faire mon café. Je suis comme bien déçue parce que là, depuis la quarantaine, là, je bois du lait, pas du Costco. Puis genre, il ne mousse quasiment pas. Fait que je me demande si c'est un problème avec mon mousseur à lait, parce que j'ai deux sortes de lait. Ou genre, c'est le lait qui mousse pas. Je comprends pas. Les deux, c'est du lait de vache, fait que je sais pas. Je pense pour mon mousseur. Mis du shampoing sec, je me suis habillée, j'ai endormi Amanda, il est présentement 10h46 et ben premièrement je vais vous montrer un colis que j'ai reçu, je suis tellement contente de Concept Shop, j'ai reçu les scrubs énergisants pour les cheveux là, dans le fond de grassage, j'ai le bleu qui est comme pour les cheveux à tendance plus grasse, il y en a un vert pour les cheveux plus sensibles, puis ça fait full longtemps que je veux l'essayer, genre depuis que j'ai vu comme que ça sortait. Fait que je suis vraiment excitée d'essayer ça. Mais là, j'ai pensé à ça parce que c'est sur mon bureau. Ce que je voulais vous dire, c'est que... bon, là, ma journée, elle a bien commencé parce que j'ai pas regardé Facebook. J'ai zéro regardé Facebook. Ça me stresse bien trop. Ça me rend anxieuse. Fait que j'ai pas regardé ça. Hier, j'ai fait une méga liste de ménage de printemps. Puis là, la mère Anthony est avec nous jusqu'à... au moins vendredi, en passant, elle est avec nous depuis avant genre l'annonce de la quarantaine. Là, fait que ça fait comme plus qu'une semaine qu'elle est chez nous. Là, ou une semaine à peu près, là, je sais pas. Fait que je vais. Elle m'a dit que je pouvais faire des choses comme ça pendant qu'elle est là. Fait que là, j'ai endormi un mandat, fait qu'elle a juste les deux gars à surveiller. Fait que je me suis fait des mégalistes, là, ma vraie qui est comme dessinée dessus, là, des ménages de printemps. Puis je me suis dit, on va vlogger ça ensemble. Si ça peut... moi, là, les vlogs qui font des choses et ou juste la vie quotidienne, puis j'aime ça. Okay? Fait que moi, ça me motive aussi voir des gens qui font le ménage. Mais j'ai fait une méga liste genre de ménage de printemps comme par pièce, quoi faire intense. Puis là, aujourd'hui, j'ai décidé que c'était la toilette en haut. Fait que, salle de bain du deuxième. J'ai écrit nettoyer les murs, nettoyer la douche, nettoyer le bain. Mais tu sais, on parle intense là, ok? Pas le... comme... intense, ok? Organiser, nettoyer mon échelle. L'échelle comme avec les produits, fait que tous les produits et tout ça, là. Mon meuble aussi, je veux organiser les tiroirs, laver le meuble au complet, laver la toilette, je veux classer les jouets qu'on garde de bain, les jouets qu'on garde pas, fait que c'est ça, toute la toilette de A à Z, le plancher, ouais les planchers, hein, c'est pas, je fais tout le temps les planchers partout, fait que voilà, aujourd'hui on s'attaque ensemble à la salle de bain, fait que si vous embarquez avec moi, dites-moi vous, c'est quoi votre tâche que vous êtes mis, tu sais, on se met pas une tâche pour se mettre du stress de faire quelque chose là, mais moi ça me fait du bien de penser à autre chose, de faire ça, puis ne serait-ce que tu sais nettoyer les contours de la cuisine, mais sérieux, ma cuisine, j'ai tellement d'affaires là que je veux faire. Mais bon, là, on va commencer aujourd'hui avec la salle de bain. Fait que voilà, on va faire ça. On va en profiter du fait qu'on soit à la maison. Ça va être plus facile. Ben là, c'est correct, la mère Anthony est là, mais la semaine prochaine, Anthony est là toute la semaine. Comme il travaille tous les jours cette semaine. Donc,
Ça, tu sais, je vais pouvoir faire des choses aussi comme ça. Alors, on commence le ménage du printemps. Le avant, donc il y a le meuble ici. J'aimerais arranger quelque chose, ça. La douche, ça allait vraiment vite. Sérieux, c'est ça. Notre eau est comme, elle a ce genre de dépôt orangé, en tout cas là. Fait que notre douche et la toilette, pour vrai, c'est vraiment comme pas super ma toilette parce qu'on a acheté une toilette, comprenez, comme plus grosse. Fait que, tu sais, il n'y a pas de plein de raccoins à nettoyer là. Le bain plein de jouets, ça. Ça. C'est ça. Tu sais, je veux plus que ça ait l'air de ça, là. Faut que je suis ça. Fait que, en tout cas, on va commencer. Bon, le bac de trucs à laver, là, mais. Voilà, en nettoyant. Hey, il reste presque plus. Je pense que j'ai mon refill encore qui m'en reste. Ça focus pas. C'est le nettoyant attitude pour salle de bain que je vais utiliser. Bon tout le monde, ça paraît pas, mais ça fait longtemps que je fais ça parce qu'il est midi 5, 11h50. Fait que je sais pas combien, plus qu'une heure. Je suis vraiment tannée, puis je commence à avoir faim. Fait que c'est sûr les enfants vont commencer à avoir faim. Je vais faire à dîner. Fait que je suis contente parce que j'ai fait tout ça. J'ai fait, en fait ce qui me dérangeait le plus là, c'était mon échelle qui avait comme plein de cochonneries là, c'était comme trop encombré. Fait que j'ai des petits produits à donner, je vais aller les donner à ma mère Anthony. Comment elle est là, fait que je vais les donner. Les tiroirs et tout ça, c'était quand même long. J'ai trié, il reste un petit peu de jouets dans le bac pour les bains. Puis c'est tout, fait qu'il va me rester les planchers, les murs. Les murs sont vraiment pas super parce que c'est comme, pas comme en bas là, mettons. Le bol de toilette puis la douche. La douche. Fait que pour vrai, je suis vraiment tannée. Mais je suis vraiment contente là, du ménage que j'ai fait pour l'instant. Fait que si je veux passer, je vais faire des activités avec les gars là. Fait que je vais aller faire à manger. Je vais laver le tapis de salle de bain. Et je vais m'attaquer à ça comme plus tard. Là. Petite pause. Fait que je suis vraiment contente pour l'instant. J'ai décidé de faire ça. Je l'ai pas essayé encore ce one pot là. C'est le pad thai de Arctic Garden. Fait que c'est pâte, brocoli, carotte, poivron rouge, pois mange tout. Dans le fond, tu fais juste mettre ton bouillon là. J'ai d'ailleurs fait une collaboration avec eux sur Instagram. Mais celle-là, je l'ai pas testé. C'est pas une collaboration aujourd'hui là, je vous dis. Mais je les aime beaucoup les autres. Fait que j'ai hâte de goûter à celle-là. C'est ça, ça suggère des choses déjà, mais moi j'ai vraiment juste mis du bouillon, là, du bouillon de poulet.
Juste vous montrer un petit peu côté portion que ça a donné. Ça m'a fait des petites assiettes, celle-là, parce que j'ai vraiment rien rajouté, là. J'ai pas rajouté de protéines, j'ai rien rajouté. Fait que ça a comme pas comme gonflé le volume. Mais ça me fait deux portions normales, je dirais, là, à cause que j'ai trois bols pour enfants. Sinon, tu sais, ça ferait comme deux bons repas, là. Fait que c'est ça, j'ai goûté, c'est super bon, là. Moi, j'ai mis du bouillon de poulet dedans parce que c'était ça que j'avais. Oh mon dieu, je pense que les gars sont en train de faire le bordel en bas, mais bon, c'est ça. Fait que un pour moi, un pour la mère Anthony, j'ai mis un pour Amanda. Elle fait encore dodo, là, c'est super chaud de toute façon, là. Pour les gars... Puis avec ça, tu sais, je vais leur donner des craquelins humus. On va regarder, là. J'ai de la soupe aussi, fait que je veux passer de la soupe. Anthony a fait de la soupe avant hier. Ouais, je vais prendre la soupe avec ça. Ça a l'air de ça. C'est une soupe comme légumineuse. En fait, les gars aussi pourraient en avoir. On a vraiment quand même assez. Mais j'ai des craquelins du humus. Fait que c'est ça. Bon. J'ai sorti la petite peinture. Ah, oh, faut du blanc, maman. Oh, ben la neige, elle est blanche déjà. C'est pas grave. J'ai sorti des petits jouets. Un peu de blanc de pareil. D'accord, un instant. Ah, bonne fête! Oui, Jaden. Bonne fête à Jaden. Est-ce qu'on chante bonne fête à Jaden? Bonne fête, Jaden. Un gâteau de tracteur, hein? C'est horrible! Oui, t'as raison! Orange et noir. Fait que voilà. Oh non! Oh non! Oui, ils ont décidé qu'ils passaient une journée en culotte. Amanda? Oh! Amanda, sur les pieds! Je viens de coucher Amanda et j'ai reçu mes achats que j'ai fait de la nouvelle collection de Little Yagi. Je voulais vraiment vous les présenter. Oui, j'ai reçu des produits qui n'est pas ceux-là. Je les ai payés avec mes sous. Mais je vous dis, je pense que c'est ma compagnie préférée pour enfants. Là, donc, c'est ça. J'ai décidé de prendre un pantalon pour chaque garçon parce qu'ils ont trouvé genre 4 pantalons dernièrement. Donc, il était dû pour des pantalons. Et j'ai choisi de leur prendre ceux qui sont en lin. Mais c'est pas juste lin, là. C'est, je sais plus combien de pourcents. C'est du crème à l'intérieur? 55% lin, 45% coton bio. Fait que... C'est ça. Ouais, lin bio, coton bio. Fait que c'est évolutif aussi, là, dans le sens que tu peux replier le bord, puis je trouve ça super beau, là, quand c'est replié, genre. Même tu peux le replier beaucoup. Fait que j'ai pris les 3-5T. Je l'ai pris dans le pêche. Comme ça, t'as des grosses poches. Je trouve ça vraiment beau. Puis j'aime que, tu sais, il s'ajuste vraiment à la taille. Ouais, fait que dans le fond, j'ai pris... un petit pêche, le abricot, comme ça. Et je l'ai pris vraiment comme couleur lin naturel, là, si je pourrais dire. Jaden a décidé que celle-là, c'était à lui qui m'a appris qu'il y avait celle-là. C'est drôle. Fait que, mais c'était ça que j'imaginais. Mais anyway, ils peuvent les partager, c'est la même grandeur. Fait que voilà, je leur ai pris chacun un. Puis, tu sais, oui, c'est dispendieux. Là. C'est pas comme acheter un petit pantalon... aux Carters, mettons. Mais tu sais, ça encourage local, puis en ce moment, je trouve ça super important d'encourager local. Mais en plus de ça, ça dure super longtemps. Genre, leurs shorts de l'année passée vont leur faire cette année aussi. Fait que tu sais, en gros, tu dépenses moins d'argent pour des vêtements, puis tu les réutilises souvent. Longtemps, c'est ça que je veux dire. Puis j'ai pris ce morceau pour Amanda. Je le trouvais tellement cute, là, quand j'avais vu la petite photo avec le bébé qui avait ça. Avec les petites cuisses de dû, là. Ça va être trop beau. Fait que je l'ai pris dans le 12-24 mois. Tu sais, c'est-à-dire, si tu veux le mettre avant l'été, tu mets des petits collants puis une petite veste, là.
J'imagine bien avec son petit cardigan avec ça. Elle va être cute. Fait que c'est aussi comme le même matériel là, en lin. Fait que voilà, ils ont chacun leur petit morceau. Je me suis permis d'acheter ça. je suis vraiment contente. Fait que là, il me restait à laver la douche. Puis le bol de toilette. Fait que on va aller faire ça. Le souper, Tony vient d'arriver, fait que taco de bœuf chimichurri de coquette, ça me sauve la vie dernièrement. J'aime tout le temps ça, mais là c'est encore plus pratique. Donc, je vais faire ça, puis pour vrai, dans coquette là, ils mettent souvent vraiment beaucoup de légumes. Fait que comme là, mettons, il y a deux poivrons, mais tu sais, je vais en prendre un pour la recette, puis on va en avoir un de plus. Ça a l'air délicieux, regardez ma belle présentation, plus! Ouais, ça a l'air vraiment bon. Oh, le yogourt, Amanda! Oh, 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 oh. Je vous dis pas de nuit, il est tard. On vient me coucher.